Ah d'accord, ah bon. Ok, d'accord. Merci. Merci. Et ça comment? Moi, c'est Nancy Furé, directeur général de l'agence. Ok. Merci vraiment. Merci. Merci. Merci vraiment. Donc, il n'y a pas de problème de contact. Et en tout cas, merci vraiment. Donc, merci vraiment. On va rencontrer ce soir même le ministre général Bachir. Le ministre de l'Intérieur a appelé hier. Donc, avec le directeur national de Paris, et Guinée nous a appelé même aujourd'hui. Donc, exactement, il m'a informé. Merci vraiment. Merci. Oui. D'accord. Non, il y a les gens ici, ils vont côté. Ils vont côté. Lui, il n'a qu'à porter tout. Ils n'ont qu'à nous aider pour les habits, pour descendre les habits. Ah, les habits sont. Les habits, hein. Non, mets ça ici d'abord. Tu descends, tu prends l'autre. Les habits sont. C'est pas lourd. Bravo. Mesdames et messieurs les cadres, honorables sages, mesdames et messieurs. Particulièrement touché par cet élan de solidarité de la part de nos représentations diplomatiques et surtout de la part des Guinéens établis à l'étranger qui ont répondu à l'appel du président de la République, chef de l'État, qui, lors de son adresse, avait demandé à ce que les Guinéens se servent d'écoute pour traverser cette crise en Guinée. Je voudrais vous remercier au nom du gouvernement de la République de Guinée, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, et au nom du chef de l'État et du président de la République, son Excellence Mohamed Bouguer. Voir les Guinéens se déplacer, surtout des sages, prendre l'avion et venir jusqu'à Conakry pour traduire l'élan de solidarité, la compassion de nos compatriotes établis à l'étranger. Ceci va droit au cœur. C'est comme ça que nous devons être en Guinée. Dans le malheur, nous donner les mains, resserrer les rangs, se supporter les uns les autres, pour que ceux qui ont été victimes directes se sentent secourus. Je voudrais vraiment vous remercier. Mais au-delà de l'argent que vous avez amené, au-delà du livre, du savon, tout ce que vous avez amené, il y a une chose importante qu'il faut retenir. Depuis l'arrivée de ce sinistre, la survenue de ce sinistre,
dispositif que vous avez amené ici, cela présentait au comité de crise que le chef de l'État a mis en place pour la gestion de ce sinistre. Et jusqu'au dernier franc, le gouvernement prêtera attention pour que cela aille là où ça va passer. Je vous remercie, je vous félicite. Quand vous allez retourner, rassurez nos compatriotes qui sont à l'extérieur, monsieur le président. Nous avons été secoués par ce drame, mais nous n'avons pas oublié et nous ne sommes pas tombés. Grâce à la solidarité de tout le monde, vous retournez dans le pays qui vous accueille. Encore une fois, je vous prie de continuer à respecter les lois de ce pays, de continuer à respecter les personnalités et les personnes de ce pays, pour que de là-bas, vous puissiez contribuer, comme vous le faites déjà, au développement de notre pays. C'est un exemple que vous donnez et le gouvernement suivra cet exemple. Assistera chaque fois que le président se rend. Merci beaucoup et je voudrais demander à nos sages de faire des bénédictions parce que ce sont les bénédictions qui ont toujours supporté ce pays. Monsieur le sage, avant que vous parliez, je voudrais dire que la Sierra Leone a fait 10 ans de guerre civile. Le Libéria avait 10 ans de guerre civile. Le Mali est confronté aux terroristes depuis 13 ans. La Guinée-Bissau a été secouée. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre civile. La Guinée n'a pas connu de guerre civile. Trésor que Dieu nous a donné.